Yo, salut tout le monde, salut, 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 et bienvenue dans cette nouvelle petite série consacrée à l'ankylosaure, les gars. Eh ouais, le petit ankylosaure là. Ah, j'avais bien envie de me faire un ankylosaure. Bon, bah, du coup, hein, let's go, c'est parti. Alors, bah, écoutez, bah, du coup, vous en doutez, je suis sur le serveur Azura. Dino Give, on est combien? 98. Donc c'est pas mal, il y a enfin du monde. Enfin, il y a enfin de la place plutôt. Voilà. Bon, alors le dinosaure, comment ça se trame tout ça? Alors ça se trame qui fait 770 kilos, qu'il a 180 bite force à la en juvé. Du coup, je suis juvé, je crois. Male, immature. Ashling, ah oui, je suis carrément Ashling, quoi, d'accord. Bon, je suis en dessous de JV du coup. Ashling, c'est ce stade-là. Je pense qu'on passe de ça à adulte direct. Hein. C'est Dinogif, c'est un peu le bordel cette étape. Niveau stam, pour l'instant, je sais pas, je vous dirais ça. Niveau faim et soif, je sais pas non plus s'il a souvent faim, souvent soif. Donc on verra bien pour ça. Niveau rotation, hein, c'est pas le meilleur. Après, il y a ça. Alors là, vas-y, va en taquer un ankylosaure comme ça. Mon pote. Vas-y. Hein. Bon, évidemment, on va se pétave. Hein. Là, c'est clairement le but. Le but, c'est de se pétave. Avec notre petit tank sur patte, là. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Niveau stam, du coup, on va courir. Ouais, ça a l'air de descendre assez vite. Bon, après, il est jeune, on va pas le juger. Hein? On va essayer d'éviter de juger directement un dinosaure maintenant. Évidemment, jeune, c'est quasiment tous les dinosaures sont de la merde. Enfin, ouais, tous. C'est pas même quasiment, je pense, c'est tous, hein. C'est un peu le principe du jeu, quoi. Bon, après, il y a un truc, ça, qui restera nul, c'est la rotation sur lui-même est quand même assez incroyablement lente. Hein. Regardez. Là, je suis en mode full rotation. Hein. Et il a deux attaques, du coup. Droite. Gauche, voilà. Ok, il fait un peu le bruit d'une vache. Hein. D'accord. Notre grosse vache. Avec une boule. Ou de sa queue. Très bien. Ouais, c'est ça un peu les dinosaures. Hein. C'était des vaches énervées pour les herbivores. Hein. Des vaches énervées. Déjà que les vaches, c'est relativement énervé de base. Alors il a un centre de gravité très bas, moi je suis persuadé qu'on peut descendre ça sans problème. Est-ce que la gravité est respectée? Bah, si je me casse la gueule, c'est con quand même. On va tester. Ouais non ça va, hein. Je fais une petite glissade mais tranquille. Alors est-ce qu'il peut sentir? Est-ce qu'il peut sentir? Oh yes il peut sentir. Oh yes, je crois qu'il peut nest aussi, c'est sûr. Donc c'est cool. Ok, ben ça c'est cool. Un dinosaure fini. Un dinosaure fini qui est pas dangereux. C'est pas mal ça, non? Il est complet, il a tout ce dinosaure. Alors voilà, le très gros problème de l'ankylosaure de mon point de vue, c'est que vous voyez un peu cet instrument-là, là. Vous voyez? On connaît, hein? On connaît tous la boule de l'ankylo, qui évidemment cassait des os à longueur de journée à son époque. Tac! Un os en moins! Tac! Un os en moins! Tac! Une rotule pétée! Tac! Le fémur du T-Rex qui part en éclat! Voilà, c'est un peu le délire de l'ankylo, quoi. Eh ben, dans le jeu, il casse pas les os. Voilà, quoi. Allez comprendre. Le Dels. Il y a un truc qui a gueulé là-bas, là. On peut peut-être se faire ami. Peut-être se faire ami là. Et du coup, la proc, c'est 4 heures. Voilà. Alors, comment il boit? Est-ce qu'il est beau quand il boit? Waouh! Voilà, ça, c'est un de mes dinos préférés. Hein. Ah, la dernière fois, on me posait la question sur le live. C'est un de mes dinos préférés, il est magnifique ce dinosaure. Il est magnifique. Regardez-moi ça quoi.
Genre ça, c'est pas un truc de science-fiction, hein, l'ankylosaure, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que c'est une bestiole qui a vraiment existé, c'est ça qui est ouf, quoi. Genre, on dirait un truc de science-fiction, un animal fantastique. En fait, c'est ça les dinosaures, c'est qu'on dirait des animaux fantastiques. C'est pour ça que ça fait un peu rêver tout le monde. Les dinos. Bref. Bon. Du coup, on n'est pas très loin de Great Falls. Je sais même pas pourquoi je suis descendu, en fait. Je suis con. Pourquoi je suis descendu? Y'a un truc qui a gueulé là-bas derrière là. Yo! Ah, en vrai, c'est impressionnant un ankylosaure. Enfin, en vrai, genre dans le jeu quoi. Vous comprenez? C'est tendu hein. C'est vraiment dommage qu'il fasse pas du bone break comme on dit. Je trouve, ça enlève quand même. Ouais, ça enlève quand même une grosse partie du gameplay de l'ankylo quoi. En vrai, je pense que les prédateurs à l'époque ils réfléchissaient à deux fois avant d'attaquer un ankylosaure quoi, tu vois. Et là, dans le jeu, en fait, bah, pas forcément parce que tu fais des gros dégâts. Il a 1260 de bite force quand il est full adulte, c'est-à-dire il a plus de bite force que le T-Rex quand même. Quand même, hein. Pour la bestiole, voilà, hein, c'est énorme. Mais en vrai, vu que tu fais pas de bonne break, les T-Rex et tout, ils s'en foutent. Ils te foncent dedans, ils t'attaquent, quoi. Après, je sais pas, on va voir ce que ça donne, hein. On verra bien, les gars. Bah, j'en suis où, le babouf, là? 68%, faudrait peut-être que j'aille chercher à bouffer. En vrai, je pense que je vais me diriger direct vers Twin Lake. Hein. Ah bah y a à bouffer là-bas. Parce que bah, c'est là-bas qu'il y a les dinos. Et en vrai, sur ce serveur, le but des choses, c'est de croiser des dinos pour se pétave. Genre le gameplay et tout, ça sert à rien quoi. Le roleplay, essayer de faire des créer une histoire et tout, ça sert à que dalle. Là, le principe, ça va être essayer de se pétave très vite avec notre petit ankylosaure. Par contre, elle est trop drôle sa démarche. Là, je suis en full sprint. La formule. J'aurais même trouvé un copain quand même. Petit copain. Est-ce qu'il se remet vite de la bouffe? J'ai fini le buisson. Ah, quand même. En vrai, là, ça se voit que je suis petit, hein, pour l'instant. Tu vois que je suis à peine plus grand que les herbes. Donc, faut pas que je fasse le fou, quand même. Là, je me fais au reste par pas mal de monde, je pense. Donc, c'est 2 heures de prog. Je crois que je l'ai dit, hein, c'est 4 heures en tout, c'est 2 heures JV, 2 heures adulte. Voilà, en gros ça marche comme ça, d'après le wiki. Voilà. Attends, mais c'est où Twin Lake là? Par là-bas, hein. J'en suis très loin. Alors avec lui ça va être très long. Mais moi je le sais, vous voyez, c'est pas comme l'Albertosaure quoi. Pas comme l'Albertosaure, on a une mauvaise surprise. Avec lui, je le sais, genre que ça va être long. Je crois que c'est le dinosaure le plus lent du jeu en fait. Si je dis pas de bêtises. Mais après, c'est normal, hein. C'est quand même une boule. C'est un tank, quoi. Et un tank, c'est pas très rapide. Yo! Y'a personne? Bah en vrai, faudrait peut-être pas que je me fasse trop repérer pendant que je suis petit comme ça. Quand même. Quand même, quand même. Essayons d'éviter de faire les conneries. Bon. M'avancer. Il a plus vite un agent. YOLO!
Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un petit plouf là? Plouf! Ouais, il nage clairement plus vite que ce qui marche. Vas-y, go tout faire en nageant. Hein. Ouais, tu peux frapper. Ah oui, bah ouais. L'ankylosaure qui nage plus vite que ce qui marche. C'est tellement cohérent. En vrai, ce truc là dans l'eau, je pense que ça coule pour de vrai. Hein. Non, mais pour de vrai, je pense que c'est vraiment un caillou. Hein. Alors, est-ce que la stam elle se recharge en marchant? Je pense que oui. En JV, hein. En JV, je crois que pour tout le monde c'est le cas. Bon. Seul au monde. C'est le problème de ce serveur en fait, en vrai. C'est le problème. C'est que je suis seul au monde. Nanana, seul au monde. Bah du coup, petit point sur la situation. Je trace ma route vers Twin Lake, quoi, simplement. J'arrive, comme dans toutes mes vidéos, faire un petit point sur la situation à Titan Lake. C'est quand même étrange qu'à chaque fois j'arrive à Titan Lake dans toutes mes vidéos de nuit, quoi. Toujours même mot, toujours même moment. Mais bref, alors petit point sur la situation. J'ai pas mal grossi, je fais 1500 kilos. Pourtant, ça fait pas très longtemps, ça fait 25 minutes que je joue. Mais bref, j'ai quand même doublé de volume. Alors, il y a un truc chelou par contre, c'est que plus le temps passe, plus ma bite force descend. Ça, c'est assez étonnant quand même. Alors, je sais pas. Je sais pas si en fin de compte, il y a un devant. Invisible, j'en sais rien, je sais pas d'où il sort ce chiffre là. Parce que 37 là pour de bon que je fais plus aucun dégât quoi, je suis une mouche. Quand même étonnant. Alors au point de vue de la stam, ouais bah en effet, ouais, y a pas de miracle hein. Elle est pas folle, regardez, là je suis en pleine course. Elle se consomme assez vite. Par contre, elle remonte assez vite aussi. Je suis pas complètement à Titan Lake en fait. Je suis à côté. Hein. Bref. Mais elle remonte assez vite. Hein. Alors, je me mets comme ça. Je me pose. Bim. 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 Et bim. Full stam. Voilà. Voilà quoi. En gros, le petit point. Petit topo. Et du coup, il a souvent soif, j'ai l'impression aussi. Ah ouais, ça va être encore une fois complexe. Mais au moins lui il peut sentir en comparaison à Bébert. Et alors il boit en longtemps, j'ai l'impression aussi. Mais plutôt long cette histoire. Ok, d'accord. Bon, en gros, hein, on va se poser. Enfin, non, en gros, on va pas se. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, on va pas se poser, on va continuer la route de nuit. Et on va se poser, je sais pas, à un endroit. Pas à Twin Lake quand même, on va quand même essayer de devenir adulte avant d'y aller. Ouais, quand même, hein. Vaut mieux. Parce que si on se fait embrouiller et qu'on a 32 bites de force, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop à quoi ça correspond cette histoire là. Ça va être compliqué. Ah tiens, je vais traverser à la nage, ça va être plus simple. Allez. La petite technique, regardez ça. Alors ça, vous voyez les gars, je pensais pas. Hein. Un kilosaur, un super bon nageur. Ça, j'y croyais, mais alors pas du tout. Bah, écoutez, c'est la petite technique, hein, petite astuce de Togmar si vous voulez. Voilà, vous vous déplacez plus vite avec l'ankylosaure, vous nagez. Regardez-moi ça, c'est une fusée. Il y a de l'écume et tout derrière. En fait, c'est pas que c'est une fusée, c'est qu'il est tellement lent à pied que ça paraît rapide. Mais je pense que je nage à 2 à l'heure, voilà. Voilà, venez pas m'embrouiller. Je vous éclate avec mes 30 de bite force. Alors vous voyez, il y a pas longtemps, j'ai regardé, j'avais 37 de bite force. Et là, on va voir ce que je vais avoir du coup. Ah, franchement, il nage super bien, c'est abusé, hein. Je traversais le lac en 2 secondes. Regardez ça. C'est dingue. J'ai mis aucune pression là. Ouais, tout ce que j'ai nagé.
Aucune presse. Oh que non. Hein. Je sais que je vais y arriver sans problème et tout, voilà. Alors, regardez ma bite force, je suis à 24 maintenant. C'est quand même bizarre, non? Et pourquoi j'ai encore pris 100 kilos? Et là, regardez ma stam. Et je vous dis, j'ai hacké le jeu. Vraiment. Si tu veux accélérer avec l'ankylosaure, tu vas à Titan Lake, tu le traverses. Voilà comment faire des distances rapidement, quoi. Du coup, je crois que je vous ai dit n'importe quoi. Enfin, je suis pas du tout à Titan Lake. Ah ouais, pas du tout. Je croyais, genre, dans la nuit, voir Titan Lake par là-bas. Mais en fait, je vous ai dit nimp. C'est incroyable. Je sais pas comment j'ai fait pour me planter autant, surtout que je l'ai dit au début de la game, quand j'ai spawn, que j'étais vers Great Falls. Comment j'aurais pu aller à Titan Lake en aussi peu de temps? Donc on va faire un petit point cartographique, on va s'éloigner de cette eau là qui fait un carnage d'enfer. Alors point positif, c'est que j'ai atteint 0 de bite force, et là ça recommence à monter. J'ai atteint 0, je suis remonté à 26. Grosse interrogation sur ça quand même. Point négatif, c'est que j'ai entendu un énorme truc gueuler. Et maintenant des IA. IA que j'entendais pas, donc je me suis rapproché de cet énorme truc qui a gueulé. Bref. On va faire un petit point écarto là pour savoir où on est un peu parce que visiblement un peu perdu quoi. Ok. Bah du coup on n'est pas du tout à Titan Lake. Ça n'a aucun rapport. Titan Lake c'est ici, moi je suis là. Ouais, j'ai spawn. Je crois que j'ai spawn vers ici là, à peu près. Ou alors peut-être vers là, je sais pas. Ou peut-être vers là. Je pense que j'ai spawn dans ces eaux-là plutôt. Ou peut-être là. Enfin, j'en sais rien. Bref. Non, mais ici, je pense que j'ai spawn ici en vrai. Je pense que j'ai spawn à Perth River. Et du coup là, je suis vers The Wash. Perth River aussi. Lazy River. Serapel. Voilà, enfin, en gros, je suis vers là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller là. Je suis jamais allé ici là. En vrai, je vais passer par là, par là, par là, par là, par là. Je pense que je vais essayer de faire ça, remonter vers Twins en suivant la rivière comme ça là. En gros, je pense que je vais essayer de faire ça. Ouais. Voilà. Retour in game. La journée est dans pas très longtemps. Il est 2h12 du mat. Ça va plutôt pas mal. Eh, franchement, je viens juste de boire, juste avant le point carto, j'ai bu. De nouveau soif. C'est quand même incroyable, hein. Je prends que des dinos qui ont tout le temps soif. Franchement, je sais pas ce qu'il y a, ça lag de malade. Hein. Genre là, ça lag de ouf. On est combien sur le serve? 88, en plus, on n'est pas beaucoup, hein. Du coup, si vous voulez jouer au serveur, il est un peu plus libre en ce moment. J'ai l'impression. En effet, on est. On n'est pas en vacances, ça aide. L'info. Du coup, si vous voulez jouer sur ce serveur et jouer avec des dino give, bah c'est le moment quoi. C'est le moment. C'est très facile d'avoir un dino give, vous avez juste à suivre les instructions qui sont sur le Discord du serveur. J'aimerais bien tomber face à un dino, mais j'ai peur de me faire totalement défoncer à cause de ma bite force. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça peut donner en vrai. Est-ce que j'ai vraiment 42 ou est-ce que c'est bugué quoi? Parce que 42 ça fait vraiment pas beaucoup hein. Surtout je crois que quand j'ai spawn j'avais quasiment 160. J'aurais même croisé un avant en vrai. Histoire de le frapper. Ça ferait un bon test. Un Ava ou un joueur qui veut m'attaquer et que je défonce. Et pas un joueur qui me tue. Oh non 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 non. C'était quoi ce bruit? Putain, je reconnais plus les bruits quoi. Ah c'est un Galiminus! C'est bon, j'ai reconnu. Yo, la vache te parle, Gali! Bon, je comprends pas pourquoi je peux pas sentir, hein. Vraiment, mystère. Il est censé m'entendre là, non?
Ah, il est là. Yo! Allez, viens, on va à Twin Snake. Est-ce que j'essaie de le frapper? Il me parle? Hello. Allez, go mon pote! Ça y est, match à tracer. T'as moi, frère, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de lui mettre un coup de queue, mais bon. Pour tester, mais j'aurais vraiment été un bâtard, quoi. Déjà que j'ai pas trop aimé, j'ai l'impression que c'est le serveur, je sais pas, mais. Attends-moi, frère! M'abandonner! M'abandonner! Salaud! Ouais, il m'a complètement abandonné! Bâtard! Bâtard, va! Yo! Y'a plus personne? Ouais, je me suis fait abandonner par tout le monde, je suis trop lent, quoi. Vas-y! Bande de bâtards! En vrai. 99. T'as pas eu de force, c'est terrible quoi. Je suis à 86%. Ok, je fais 2 tonnes quand même. Bien gros aussi la vache là. Une bonne grosse vache. J'ai soif. Non, ça va être un problème récurrent encore, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, se croit bien, ouais, le problème récurrent, se croit bien, les amis, se croit bien, ouais. Tous les dino give, genre ils ont tous soif, c'est ça le principe? C'est tous des assoiffés? Oh le sprint! Oh le sprint! Ah! Je suis collé à mon siège gamer! À cause de cette vitesse effarante! Ah! On va passer le mur du son. C'est passé. Ouais, les bruitages, ils sont faits maison maintenant. Hein. Ouais. Restrictions budgétaires sur la chaîne YouTube Togmar. On va faire les bruitages au son. Poum! Pam! On va le faire crier. Je pars en couille là, non? Ah mais vous savez quand vous êtes seul avec un dino en pleine forêt, ah il y a des tendances à partir en vrai hein. La raison se perd. La raison s'envole. Et la folie gagne mon cervelet. Bref, bon, on va essayer de trouver un point d'eau quoi. Allez. Vas-y, let's go. Hein. Redevenons sérieux. Voilà. Je marche, déterre. Lol. Et merci le rocher de casser mon délire. Regardez, il marche un peu comme un voyou lui aussi, hein. Il joue des épaules là. Ta ta ta. Ouais, tu veux quoi, bro? Moi, je viens de Marseille. Si tu as un problème, je te coupe les orteils. Brdé, brdis, brdé. Bon, ouais. Ouais, bah ouais, les gars, faut bien s'occuper, hein. Faut bien s'occuper. Yo.
Qu'est-ce qui se trame par ici là? Tranquille, Rex. Ouais, Zonky, it's me. Ouais, voilà les petits cris gentils là. Qu'est-ce qui se trame par ici? Je sais pas si c'est anglais ce que je dis, mais. Yes! Vas-y le Rex, on se fait un pote Rex, c'est bon. Bah je pense que je vais pas le supporter très longtemps, mais. On s'est fait un pote T-Rex. Tout est logique. Bon, c'est plus sympa d'avoir un pote T-Rex que zéro pote. La solitude commençait à nous taper sur le système avant de le rencontrer. Et pourquoi moi je suis obligé de cavaler en permanence, donc ralentis le rythme. Ouais, de l'eau! Il a un peu peur de moi quand même. Il sait pas que j'ai 152 de Bite Force et que je suis une grosse merde. Si j'ai vraiment 152 quoi. Attends-moi, bro. C'est rigolo de se balader avec un T-Rex. Any Rex Group. Comment ça, tu veux pas être avec moi? Je ressemble pas à un T-Rex. L'ankylosaure qui se prenait pour un T-Rex. On a rencontré un Anki. Rien à bouffer quoi. Il part sans moi. Vas-y, c'est RP ça. Eh oui, on est potes tous les deux. Pas du tout, je suis hein. Vraiment là. Je reconnais plus quoi. Tu vas où le Rex? T'es bourré ou quoi? J'ai jamais venu par là moi. Elle me parle, Vilma? Ok, on va rester avec Vilma quand même en chat. On va suivre la vie d'un Rex avec notre Anki. Voilà. On va faire ça. Je suis à combien de pourcents? Je suis à 100%, je peux gros depuis 1000 ans quoi, c'est incroyable. Je sais pas depuis combien de temps je peux gros, mais. Ça doit faire longtemps. En vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je fais 3 tonnes, je cours encore plus doucement, ok. Ouais, vas-y, je vais le tuer, je pense. Gratuitement. Wise people. Après, ce serait pas très gentil de le tuer quand même. Ouais,
go. Runway, yes. Ah, il me fait confiance et tout, non, je peux pas le frapper, hein. Le pauvre. Ah, est-ce que je nage bien maintenant? Est-ce que je nage toujours aussi bien? Ouais, je nage un peu moins bien quand même, hein. Bon, il va falloir que je trouve à bouffer assez rapidement là. J'ai une petite pulsion meurtrière quand même. En vrai. Je l'ai eu. Mais ouais, c'est pas. Après, ouais. Même s'il n'y a pas de règles, on n'est pas obligé d'être un bâtard, quoi. En vrai. Je vais laisser ça faire sa vie, écoute. Elle est juste à côté. I'm coming, Vilma. Elle va voir un règle s'arriver, elle va pas comprendre, quoi. Ouais, j'ai besoin de manger, moi, Vilma. Désolé, mais là-bas, il y a un buisson, là. Priorité à la survie, quand même, hein. Je sais pas ce que tu veux faire, mais... Premier kill! Allez bim, dégage! Déjà, allez, éclater le crâne! Mais Vilma, tu vas où? Pourquoi tu m'abandonnes comme ça? Il est juste là le buisson, ok. Bon, il va moins combien de pourcents là? Allez, s'il te plaît, parce que là en vrai, 29% commence à être un peu terrible. Je crains le pire. Oh, ça va, ça remonte vite. Oh, ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce qui se trame?